Vous êtes maman aussi. En oui, plus, je suis mère. Hein, oui. Mère indépendante, célibataire. Oui. J'ai 3 jeunes filles. Ouais. Elles vivent en France. Et que, bon, alors le mariage, peut-être ce n'était pas mon destin. Mm-hmm. Parce que Dieu a tracé déjà le destin de chacun de nous. Mm-hmm. Mais je suis une femme indépendante, mère. Et je suis née au Congo démocratique il y a longtemps. Mm-hmm. Il y a 50aine d'années. Bientôt, j'aurai mes 60 ans, mais pas encore. Pas encore. Il y a encore quelques années. Il y a encore quelques poussières, quelques... Alors, la question, c'est, lorsque vous avez vos enfants, oui. que vous voulez passer du temps avec eux, qu'est-ce que vous aimez leur préparer? Je suis un cordon bleu. Je suis meilleure dans le je prépare le fait de manioc au poulet. Oh! Oui. Oh! Oui. Wow, donc comme, malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Le feuille de manioc, c'est comme le poulet. Sombé. Hein? Oui. Sombé. En Swahili, c'est sombé. Oui. Donc, je prépare avec le poulet. Du poulet, du poulet. Mon Dieu, j'ai envie de manger ça. Mais dommage que je pars déjà. Je pars le 8. Oui. Peut-être on aura le temps prochainement. Peut-être. Ouais. Et la deuxième question. Alors, vous êtes devenue célèbre très jeune. Oui. Et à 20 ans déjà. À 20 ans, vous étiez déjà une célébrité très connue. Quelle était l'astuce que vous aviez pour repousser les propositions trop dépassées? C'est comment, parce que... Comment vous faisiez? Comme j'avais déjà... Le Seigneur était déjà à côté de moi. C'était mon encadreur. C'était pas possible que... Et je laisse l'accès. Non, c'était d'accord. vraiment pratiquement impossible. J'étais toujours les gardes-corps avec moi. Et moi-même, c'est une question d'éducation aussi. J'ai la discipline en soi. Et puis, l'encadreur m'a dit, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas te comporter pour devenir une grande. D'accord. Donc, c'est important, l'éducation et l'éducation aussi un bon entourage. Un bon entourage, oui. D'accord. La discipline. Alors, vous nous avez promis... Déjà, je ne bois pas d'alcool. Ah, c'est vrai? Non. Jamais? Cela ne veut pas dire que j'ai jamais goûté à l'alcool, non. Et j'ai déjà goûté, mais quand je bois un gorgé, ça me fait mal à la tête. Ah. Et ça me fatigue. Je ne peux même pas oser de boire avant le spectacle. Ah. Ça sera du gâchis. D'accord. Je bois seulement de l'eau et puis j'ai pris, j'ai dit, bon, le Seigneur, tu es grand, c'est toi qui m'as donné le don. Alors, aide-moi que mon public soit satisfait. Super. Alors, merci. Oui, vous êtes la reine de la rumba. Oui. Et les gens essaient de danser la rumba, mais peut-être qu'ils ne font pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vraiment il faut danser la rumba? D'accord. Puisque vous êtes la reine de la rumba. Ok. Alors, regarde. Est-ce qu'on peut mettre un peu une, oui. deux, trois, quatre. D'accord, super. Okay. Mais en fait, je fais aussi, malgré mes 50aines d'années, je fais quand je suis à Kinshasa, je fais les sports tous les jours. Hein. J'ai au moins 1 heure de sport par jour. Je me lève très tôt, à 5 heures, et puis je fais les sports pendant 1 heure. D'accord, c'est important le sport. C'est très important. Et vous, je vais me mettre aussi à faire du sport. Jour, 1 heure, allez. Oui. Alors, l'émission s'intitule Le Miroir. Oui. On aime poser cette question qui est très bizarre à nos invités. Okay. Avant de leur dire au revoir. Et la question c'est, lorsque vous vous regardez dans un miroir, oui. qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Qu'est-ce que j'aime? En tout cas, qu'est-ce que j'aime le plus? Oui. Alors, c'est difficile. Mais c'est aussi simple. Quand je me regarde, je dis, oh, j'ai des beaux yeux. C'est vrai. Quand je me regarde aussi, j'ai dit, bon, j'ai vraiment les bonbons. Oui. D'accord. Parce que tu sais, quand je suis en tournée et... Alors, pendant les spectacles, en plein spectacle, et quand je regarde le public, à chaque fois, j'avais remarqué une chose, ils me font ça. Et je tourne. Et là, vous avez... Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas? Vous vous dites, ok, je suis très belle, mais est-ce que je pourrais... Mais bon, il y a des fois, j'aime pas mes joues. Je ne sais pas.
de votre signature. On applaudit encore pour notre invité.